Bonjour à tous. Fait changement. Nintendo Switch Lite, celle-là. On a beau brancher le fil. Ouf, qui branche bizarre. Il n'y a rien qui répond. On va aller voir ça avec microscope. Pourtant, pas l'air magané, hein? Mais c'est dur à voir, ça, là. Microscope. C'est vrai que c'est dur à voir. Les contacts ont l'air tout là, pourtant. Il n'y a rien qui se passe. Moi, sur mon chargeur, il n'y a rien qui est indiqué. Puis, elle répond pas du tout. Fait que, je perds pas de temps. Je mets ça là. On remet ça ici. On démonte ça. Besoin de tirer ça. Et voilà. On démonte toutes les autres vis. Ceux-là, on fait attention parce qu'ils sont pas aimantés. Ils doivent être en aluminium ou quelque chose. Attendez. Bon, tant que je n'ai pas ouvert une light, par exemple. Tiens, mes vis sont toutes là. Ah, rien d'autre, non. Faut oublier de la remettre. Carte mémoire. Ah, voilà. Ah, je mets ça de côté. Et enlever ça. Et voilà. Je regarde ça rapidement au microscope. Ça a l'air d'être tout bien solide, ça. Ouais, ça a l'air d'être tout bien solide. C'est sûr qu'il y en a d'autres en dessous qu'on voit pas, là. Si je branche mon... mon fil ici. Oups, on va remettre sur le top cam. Vérifier la tension. J'ai 5 volts. Il y a bel et bien 5 volts qui rentrent. Donc, mon 5 volts est présent. Mais réagit pas. Donc, prochaine étape. BQ chip. On va sortir la carte mère de là. Ouais, on va sortir la carte mère de là parce qu'on voit pas le stock à part de ça. Fait qu'on n'a pas le choix. Let's go. Faire attention ici parce que il y a des petits morceaux. Des petits ressorts. Ça reste donc là. Lui essaye de rester là. Faut pas qu'il sorte. On est enlevé là. Ça. Mm-hmm.
ceux qui poseraient la question, là, c'est pas la première que je l'ai fait. C'est pour ça que les vis sont toutes là, c'est tout ce qu'ils vont. Puis il y a juste trois sortes de vis différentes, mis à part les vis pour les couverts, là, qui sont ici. Et voilà. Donc, faites-vous en pas pour moi pour les vis. Quand c'est la première fois que tu démanches ça, par contre, je vous conseille fortement de prendre un petit tapis magnétique ou encore de les numéroter. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Elle n'avait jamais été retirée. Elle n'avait jamais été retirée. Tu vois le petit ressort, il est sorti. Là. Donc on met ça de côté. Et voilà. Et où par là? On a sorti la carte mère. On pourrait vérifier tout ce qui se passe là-dedans. Oh! C'est eu de l'eau là-dedans? Il y a eu de l'eau! Il y a eu de l'eau! Ça, c'est quoi qui est venu? Tiens! Il y a eu de l'eau! Des gâteaux! Mais ça n'a pas l'air d'avoir rien magané ailleurs. C'est bien weird. Juste ici. Putain, il n'y a rien. Le bouton est tout rouillé par contre. Là, y a, je vais vous le montrer au microscope parce que là, vous ne voyez pas grand chose. On éteint ça. Okay. Le bouton est tout rouillé. Il y a eu de l'eau dedans. Même que la vis ici a pété. Il y a eu de l'eau. Il y a une vis de pété ici. Qui tient le joystick. Il y a des mollo, hein. Dit que le joystick aussi doit être endommagé. Il y a eu de l'eau là. On va laisser ça là. Donc, il va falloir essayer de réparer ça, en souhaitant qu'on puisse le réparer. Le M-Nanito chip, il est ici. C'est peut-être lui aussi qui fait défaut là. Le BQ, il est juste à côté. Fait qu'on va essayer de trouver c'est quoi. Des deux qui fait défaut. La rouille de lui, vous n'aviez pas vu tantôt, là. Regardez. Regardez ici. Tout ça. Puis de l'autre côté, ça a traversé. Ici. Il y a eu de l'eau dedans. On va essayer de la rescaper. Mode diode. BQ chip est ici. 0.04 530 560 73 107. Il y a une couleur bizarre lui par exemple. Ouais, lui il est pareil. Ok. Donc ici sont corrects. Melt maintenant. Pousse 64. 5,24. Pousse 70.
5,52. Oups! Ouais, ça c'est court-circuit, ça. Ah non, 4,84. Ok, il est comme inversé. Excusez, lui est bon. Et... Il indique tout bon. Bizarre, ça. Si je branche mon fil dessus. Y a-t-il un fusible ici en arrière? Oui, il est là. Le fusible est là. On s'en va sur... Ça. Saint-Volt. Il s'en va directement au BQ chip. Le Saint-Volt s'en va directement là. Si j'en ai 4. 4. 3,2. 1,4. Hey, ça se peut qu'il fonctionne là. Que ce soit juste à cause des autres affaires qui sont... On va commencer par nettoyer ça. On va se reculer un petit peu là parce que je veux voir. On va commencer par nettoyer ça lentement avec une brosse à dents. Ah. Et ça, c'est parce que ça a traversé de l'autre côté que ça a fait... Ici, c'est pas pire. Il n'y a pas l'air d'avoir rien endommagé. J'ai nettoyé cette partie-là. Alentour, tout est beau. Tiens. Parce que là, on va être popé. Tiens. T'es revenu pas mal mieux. Il y a des petits boutons ici, là, il a goûté aussi, hein. Je vais essayer de le nettoyer comme il faut. Beaucoup mieux que c'était, ça. Il marche ça encore? Oui. Fonctionne encore. Bon, ça c'est fait. L'autre côté. C'est ici là, que c'est plus risqué. On va se rapprocher. C'est quoi tout ça? L'air est tout beau là. Ouais, c'est ça. Il y a un petit condensateur ici qui est lâché, mais je devrais pouvoir le retrouver sur un board d'honneur. Donc c'est bel et bien lui qui a eu un problème. Pour de ça, il n'y a rien d'autre. Donc, il va falloir que j'essaie de reposer ça. Bien, les deux.
Les deux sont partis. Ils faisaient pas de contact, ces deux-là. Non. Est-ce que je peux voir les deux se rejoindre? OK. On voit là que ça, ça rejoint là, puis ça rejoint là. C'est ça qui a arraché. Ces deux-là sont corrects. Ceux-là, ils étaient pourris, ils ont arraché. Probablement que ça faisait plus contact. Fait que, on devrait être capable d'arranger ça, hein? Ça va me prendre les deux pièces d'honneur que j'ai certainement quelque part. On va commencer par se faire un chemin. Peux-tu l'éclairer un petit peu plus? Oui. Ça. Donc, mon condensateur pourrait être à côté là. Je peux ça aller plus loin? Mais oui. Je pense qu'on va être pas pire là. Hein? Excusez, là, c'est parce que mon microscope, il est collé. Puis je l'accroche. Mais là, je devrais être pas si pire, là. Fait que si je prends mon petit fer ici, on vient y mettre un petit peu de flux. On va pouvoir ajouter de la soudure là-dessus. Je vais prendre de la petite soudure ce coup-là. Number one. Et voilà. Tiens. Là, il va me rester juste à trouver les deux petites pièces qui vont là, les prendre sur un autre, puis les transférer sur celle-là. J'en ai une qui marche plus ailleurs. Et voici les deux pièces que j'ai besoin. C'est, comme qui dirait, microscopique. Ça fait que on va y aller doucement. Fait que j'ai pas besoin de grosse chaleur pour ça. 390-60, ça devrait être pas pire ça. On va y aller avec ça. Puis là, faut que je les conserve à quelque part quand je vais les enlever. Là. Et de une. Ah, c'est ça, c'est bien. Et voilà. Les deux sont reposés. Et il va me rester à faire le contact.
Parce que là, il faut que je m'assure que le contact, hein, la continuité se fait entre là. Ça se fait pas entre les deux. Donc, il faut vraiment que je relie ces trois, ces deux-là ensemble avec l'autre coin. Fait que je pourrais le faire avec un petit fil. Ouais, c'est probablement ce que je vais faire. Un beau petit fil de cuivre. Ouais, c'est pas mal gros, ça. Pas mal trop gros. On va y aller avec le petit. On va essayer de se mettre dans une position pour aller le souder, par exemple. Ça ici. Ça comme ça. Ça a l'air d'un beau travail d'artisanat. Hein? On fait avec ce qu'on a. Hein? Je suis tanné d'accrocher le microscope à tout bout de champ. Je change la lentille bientôt. Je vais me chercher une 150 au moins. Ben, c'est pas assez, ça là. Bon, là ça marche. On va nettoyer ça comme il faut. Bon. Hey, c'était pas gros, hein? Bien. Ça fait que de là à là, ça marche. D'ici, mais ça va être une résistance. Là. Si je me mets en mode résistance. J'ai un mi-long. De là à là, parfait, puis de là à là, mi-long. Donc ça fait contact, j'ai quasiment le goût d'essayer direct de même, ça allait tout croche hein, de loin de même, mais pourtant il est à sa place. Si je le mets avec sa batterie, est-ce qu'il va se mettre à charger? C'est ce que je veux voir. Et voilà, il est parti. 0.09. Il essaye en tout cas. Je ne sais pas si ça va marcher encore, là, mais là au moins, il essaie de charger. Oui, 120 mAh. Il tombe après ça à 0.09. Ça se peut que la batterie soit pleine charge. On va la mesurer pour le fun. Plus. J'ai 2.9. 89, 90, 91, 92, 93. Il est en train de charger la batterie. 3 volts. 3.04, 0.5, 0.6, c'est parce qu'il part lentement, puis après ça, il va augmenter.
Vous le voyez pas, hein? Excusez-moi. Si je me mets sur la batterie. Regardez. Il est rendu déjà. Ah, il est rendu à 380 mAh. Regardez la vitesse qui monte. Et voilà. Fait que je pense qu'on va l'avoir sauvé. Tant mieux. On va finir de la charger comme il faut. Puis on va remonter tout ça, puis on se croise les doigts que ça fonctionne. Bon, elle remonte en bonne partie. On vérifie-tu si ça fonctionne. Je serais supposé de voir le signe de charge s'afficher. Ça s'est installé. Mon écran est branché. Tout est beau. Je reviens ça de bord. On essaye ça. J'ai rien qui s'affiche par contre. Ça se peut qu'elle ait un autre problème. C'est possible. C'est pour ça que je ne la remonterai pas au complet. Je vais continuer à vérifier le reste. Oh! Elle fonctionne! Il y a du son! Prendre un... Elle est rendue à 1,77. Eh oui. Elle est allumée. La fan fonctionne. Mais, je vois rien. Débranche. On va revérifier nos connecteurs pour l'écran. Pourtant, ils sont bien rentrés. Eh oui. Ils sont tous bien rentrés. On réessaie. Ça marche. Et voilà. Bon ben, on va les sauver. On va avoir sauvé une Nintendo Switch. Je la remonte au complet, puis je finalise ça. Et voilà. Tout est remonté. On branche ça. 380. On voit la batterie qui s'affiche. Elle s'allume. La carte mémoire est dedans. Là. Je veux juste m'assurer que ça fonctionne avec la carte mémoire. Et la batterie est à terre, Je pense qu'il va falloir que je fasse un reset, la batterie était trop à terre. Ah, non, il vient de partir. Il vient de partir. Il est à 10%. L'accès à la carte micro SD a échoué. Étayer la console, puis retirer, réinsérer la carte micro SD. Ah, c'est peut-être ça, là. Il y a de la misère à la lire, là, parce que j'avais vu qu'il y avait de la rouille même là. Ouais, il y a de la misère à lire la carte micro SD. Je pense qu'il y a de la rouille. Ça, c'est une carte de jeu. Vraiment pris l'eau, hein? Le reste, tout fonctionne. Animal Crossing, ça, c'est le jeu qui est dedans. Oups, une mise à jour est nécessaire, non? Si je la réinsère... Si je demande de redémarrer, prendre ça là. J'ai vraiment de la misère à la lire. J'ai des doigts trop gros. On l'éteint au complet.
la réallume. Je pense que le lecteur de carte va être obligé de, va falloir le remplacer. Le lecteur de carte, c'est trop long, là. Beaucoup trop long. Mais pour le reste, tout fonctionne. Je vous montrerai comment remplacer le lecteur de carte sur une Nintendo Switch. On va retirer ça, puis ça le fait paniquer. On va laisser là pour l'instant comme ça. Là. Le restant, tout fonctionne. Là, je suis pas sur le réseau. On va vérifier que le réseau fonctionne. Elle cherche le réseau. Oui. On va la mettre ici. Majuscule. Connexion réussie. Tout est beau. Donc, là, si on voit sur YouTube. Ah, il n'est pas sur la console. Annulé. Zelda. Ça prend la carte de jeu. Monopoly. Annulé. Kirby, y a-t-il un jeu? Ah ben là, la carte mémoire est pas là. Ah oui, on va faire de la mise à jour. Là. Ça va être fait pour le client. On va la laisser charger. Puis je vais avertir le client comme quoi ça va pouvoir remplacer le lecteur de carte. Parce que le reste, tout fonctionne par contre. Si je m'en vais dans les paramètres, tout est bon. Merci.